Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai pas posté la semaine dernière parce que tout simplement je suis. Bref, il m'est arrivé un accident ridicule que. Bon, en gros, c'est de ma faute. Je suis tombée dans les escaliers parce que du coup, bah, je textotais pendant que je descendais l'escalier. Et comme je suis une personne qui est très maladroite de base, je suis tombée dans l'escalier. Donc, du coup, je me suis foulée la cheville, etc. Et bref, j'avais pas forcément envie de filmer quoi que ce soit ou de partager ça, donc il n'y avait pas eu de vlog, mais j'ai fait une vidéo discussion talk que j'avais je souhaitais poster depuis pas mal de temps, enfin je voulais du coup poster pas mal de temps, donc n'hésitez pas à la regarder du coup si ça vous intéresse. Mais du coup là ça sera plus une vidéo sur ben, ce que j'ai fait dernièrement et ouais, nouveauté. Donc en gros je suis en train de chercher un nouvel appart pour déménager. Donc c'était un peu compliqué, mais je me disais pourquoi pas du coup partager aussi les recherches d'appartements à Londres, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Surtout que pour ceux qui ont déjà habité ici ou ceux qui ont déjà cherché à habiter à Londres, vous savez que c'est hyper compliqué et c'est très 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 rapide dans le sens où tu vas dire, enfin, quand tu visites un appartement ici, généralement si tu l'aimes bien, c'est directement ok, je le veux et t'emménages direct. Il n'y a pas forcément de temps, il y a tellement en fait tellement de demandes que du coup pour une offre où ils vont avoir peut-être, ils vont poster l'offre le matin à 9h et à 10h il y a déjà 20 visites de bookées pour le même jour. Donc du coup c'est très 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 rapide et pour les gens du coup comme moi je cherche, enfin, j'ai un petit peu une deadline, j'ai pas envie d'emménager maintenant. Donc du coup c'est un peu compliqué. Donc je me disais pourquoi pas partager du coup comment est-ce que je fais mes recherches d'appartements etc. à Londres, comment ça fonctionne. Et ouais, du coup, montrer quelques apparts également que j'ai visités. Et puis simplement, du coup, partager ce que j'ai fait dernièrement. J'ai reçu des nouveaux produits de la marque Kerr Smith que vous connaissez peut-être. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce que je collabore avec eux depuis des mois, peut-être un peu plus, un an même. Non, depuis des mois. Et ils ont lancé un nouveau produit, c'est une serviette en microfibre. Comme ça qu'on dit, oui, je crois que c'est microfibre et du coup qui est super cool. Vous savez, pour les cheveux naturels, c'est hyper important d'utiliser ce genre de matériel quand vous séchez vos cheveux. Donc, du coup, bah, j'ai reçu ça et j'ai reçu d'autres trucs. Donc, j'étais en train de checker ce qu'il y a. Et sinon, ben, je crois que ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une visite pour un appart. Donc, je vais vous emmener avec moi pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, juste pour vous ayez une idée de. L'appart qu'on peut avoir pour le prix, pour un certain prix. Donc je pense que je vais poster quelques vidéos de ça. Et après, juste, je crois que je vais au resto ce soir. Je sais pas si c'est ce soir ou demain, parce qu'on n'a pas encore validé. Et également, ce que j'ai oublié de dire, je vais au concert de Rema. J'ai trop, trop hâte. Sachant que j'ai booké, donc le concert, il est demain. Et j'ai booké les tickets aujourd'hui. Voilà. En gros, c'est ma pote Kat, que vous avez déjà vu du coup dans une ancienne vidéo. Ma pote Kat qui m'a appelé, qui m'a dit, mais par contre, Rema, il est là demain, puisque qu'on le sait pas, on y go. Et bref, du coup, de base, je voulais pas sortir parce que comme je vous ai dit, je suis tombée dans l'escalier et je me suis foulée la cheville. Donc, je peux marcher, mais je boite encore un peu. Mais je me suis dit, c'est Rema qui est là. Et en plus, les tickets, ils étaient qu'à 35 ou ouais, 35 livres. Donc, bref. Du coup, je vais voir Rema, j'ai trop, trop, trop hâte, ça va être trop bien. Ça va être un peu une expérience dans le sens où bah, je vais même pas pouvoir danser correctement, etc. Mais ça va être trop cool. Mais par contre, ce qui est ouf, et ce qu'on se disait, c'est que ils ont fait genre zéro promotion, zéro com. Enfin, ils ont fait de la com, mais c'était pas ouf quoi. Par exemple, pour le concert Adé Conley Gold, que j'avais filmé d'ailleurs, ils avaient fait de la com au moins 10 mois à l'avance. Tout le monde le savait, il y avait des emailings sur Instagram, sur TikTok, genre partout, il y avait de la com. Et là, pour Rema, quand même, Rema, genre, il y avait zéro com, quoi. Mais donc, j'ai trop hâte. Et ouais, donc ça, c'est demain. Et après, bah, je sais pas encore ce que je vais faire le reste de la semaine, on verra bien. Thank you.
cours du jour pour aller au concert. Je me suis juste fait du coup, bon j'aime trop faire cette coiffure, deux petites tresses et acheter des petits accessoires. Bon, je suis en retard, comme d'habitude encore une fois, mais j'ai tellement hâte. Donc j'ai filmé des vidéos, évidemment je vais tout vous montrer, donc c'est parti. Saline, ma copine qui vient du coup d'Amérique, qui est là, à Lyon. Et donc on est là juste pour le lunch break. Hello. Alors aujourd'hui c'est mercredi 23 novembre. Il est exactement 8h06 et je suis en retard pour le travail. Un truc très cool du coup, ce soir je mange chez une copine et on va fêter du coup un Thanksgiving. Donc si vous savez, tous les derniers jeudis du mois aux États-Unis ils fêtent Thanksgiving. Et en fait du coup, comme c'est pas en soi une fête happy vu que de base c'est pour célébrer l'arrivée de la colonisation etc. du peuple indigène, du coup on fait le un Thanksgiving. Mais comme du coup ma pote qui host, enfin qui nous accueille du coup pour cette célébration, elle est du coup des États-Unis, du coup elle veut quand même célébrer, donc du coup on fait un Thanksgiving. Donc du coup j'ai fait une tarte crevette poireau que j'aime beaucoup, c'est une recette que je fais depuis que je suis petite. Et on va toutes du coup chacune cuisiner des plats etc. et partager, donc ça va être trop cool. Et sinon, mais quoi d'autre aujourd'hui, rien à part du coup taf, donc je vais vous retrouver du coup après 17h30, du coup après le boulot. Oh yeah, okay. Pasta. We have pie, stuffings, and cute girls. Donc nous sommes au galerie de what's the name? Gallery of what? I don't know. Gallery in London Bridge. Très mignon, très cute, my girl Salma. This cutie. Do you know anything in French? No. Okay, she doesn't know French, guys. But you can speak for me. Oh my god, look at that. C'est vraiment très mignon. Regardez cette vue. J'aime vraiment cette ville, j'aime trop. Baozun. It did. The food looked good. Donc en gros, c'est une feuille et tu notes où tu veux manger. 20. Just that. That one. But I don't know which one. Which one is that? Délicieux. Délicieux. C'est que des dim sum. Donc nous avons ici Sonji, Mini, et Salma. She doesn't even want to try the French. She's just like. Bonjour, bonjour. Il est actuellement 7h30 du matin. Je me suis levée plus tôt parce qu'aujourd'hui je bosse, enfin je suis en télétravail et du coup quand je suis en télétravail j'aime bien me lever un peu plus tôt pour pouvoir du coup aussi bosser un peu, faire des trucs de mon côté etc. Ah aussi j'ai oublié de dire, alors j'ai testé des nouveaux produits de la marque Soft & Free, peut-être que vous connaissez, j'avais jamais utilisé
Et honnêtement, bon, là, ça fait 3 jours que je les ai mis. Donc, j'ai zéro produit en plus. Ça fait 3 jours que j'ai mis mes produits. J'ai mis que de l'eau pour rafraîchir un peu mes boucles. Et honnêtement, j'aime bien le résultat. Ça me donne... Je trouve que c'est un petit peu comme chez Amoisture, dans le sens où c'est très léger. C'est des produits très légers, donc j'aime bien. Je laisserai du coup le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là, je vais déjeuner, faire quelques vidéos que je dois faire du coup pour des marques. Et après, je vais bosser. Donc c'est parti, nouvelle journée.